Bonjour, je suis Thomas Pelletier, je suis élève ingénieur en 4e année. Alexandre Ancillon, élève ingénieur en 2e année ici à l'école. Et Lucas Garnier, élève ingénieur en 4e année. Donc ici, on est là aujourd'hui pour Une Rose, un Espoir. Donc les différentes associations de l'école, donc le BDE, le BDS, le GALA, le Forum ainsi que le BTJC. On s'est réunis, on a réussi à récolter rien que les associations 1 500 €. Donc ça représente le don des associations et à la suite de cette journée on pourra faire le total avec, avec l'achat des roses donc, que tous les élèves ont pu acheter. Et par rapport à l'année dernière, vous avez progressé? Donc l'année dernière on a réussi à récolter avec tous les élèves 800 €, et donc cette année rien qu'avec les assos on est déjà à 1 500 €, donc c'est déjà le record est déjà bien battu. Alors vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce qu'est votre école. Donc on est ici à l'école d'ingénieurs, donc à l'ESITC de Metz. C'est une école qui forme en 5 ans des élèves pour après travailler donc sur les chantiers en tant qu'ingénieur. Voilà, nous sommes l'école des entreprises fondée il y a 30 ans par les entreprises du bâtiment pour répondre aux besoins du secteur. Et vous êtes combien d'élèves environ 300 élèves ici à l'école. Et ça donne quel débouché au niveau du diplôme? Au niveau du diplôme, c'est un diplôme d'ingénieur, donc on est formé à faire différents métiers. La plupart vont sortir en tant que conducteur travaux,
Donc c'est-à-dire qu'on sera sur le terrain, on va encadrer des équipes pour réaliser des chantiers, mais c'est pas fermé à par exemple des bureaux d'études, la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc le diplôme, il ouvre beaucoup de portes. Alors il faut le niveau bac pour rentrer à l'école. Il y a une prépa intégrée, 2 ans de prépa intégrée, et on peut aussi rejoindre l'école en 3e année après avoir fait un DUT ou ouais. Après. Ça vous passionne, tout ça ? Oui, ça nous passionne. Bah, il faut être passionné dans l'école, parce que je pense qu'on ne tient pas longtemps sinon.